et tu as une plaine avec des arbres. Voilà, en gros, les trois maps principales. Bon, Karma? Donc, comme tu peux le voir, Sidou, j'étais pas perdu. Ouais, qu'est-ce que je peux voir? Quand tu cliques sur l'image de tes petits bonhommes, tu as une fenêtre qui s'ouvre. Ouais. Donc, tu peux changer la couleur si tu veux des bonhommes. Donc, là, normalement, tu dois être sur le level. En fait, c'est comme sur WoW, tu montes les capacités de tes troupes en gagnant de l'XP. D'accord? D'accord. Bon, bah après, tu débloqueras le prochain personnage. Ouais, c'est un World of Tanks en Total Arena, quoi. C'est Voilà, tout à exactement fait, ça. c'est exactement pareil. Sauf que là, comme c'est l'alpha, il t'offre du gold à chaque fois. Tu t'emmerdes pas, tu dépenses tout sans l'expédier, comme ça tu montes plus vite. Puisque tu reçois, là t'as déjà 7000 gold, alors venir le temps de les dépenser. Et donc, si toi t'es open, on attend toujours Karma. Ouais, Si toi, je sais. une fois que tu as sélectionné une troupe et que tu es open, au milieu en haut, tu appuies sur play. Et ça va, tu vas attendre que moi je valide le peloton en fait. Fameux sur bot. Et moi, je dois valider où? En haut, au milieu. Dans ta play en feu. Une fois que tu as cliqué dessus, bim. Et normalement, c'est bon, Karma? Ouais, non, attends. Hop. Ah, parce que je regardais là par rapport au truc de Cédou vis-à-vis de Skype. Là normalement c'est bon, je suis avec vous. Voilà. Voilà, et donc une fois que tu t'as validé, comme c'est moi le créateur du platoon, je valide. Et c'est parti. Donc tu as pris des épéistes et puis deux lanciers. Alors sache que les faire jouer ensemble, il faut pas. Tu sépares toutes tes troupes parce que les épéistes ça met en contact et les lanciers ça tire de loin. Si tu sélectionnes tes trois troupes et que tu les envoies sur une légion, forcément tes lanciers vont y aller aussi. Mais c'est pas bon. Parce que tes lanciers sont là pour lancer de loin, ils sont pas pour lancer de près. Ok, Anderson? C'est pour ça que c'est bien de mixer les trois bonnes légions, mais c'est pas évident à gérer après. Je le mettre tout T'inquiète, j'ai pareil, l'habitude. c'est l'habitude. Non mais de ce genre de jeu, j'ai Ah l'habitude. bon, bah alors, vénère pas alors. J'ai pris du level 2, pour le dire. Rien, tu peux Il fait quoi, Karma, là? Bah, je suis en attente, tout comme vous. Ah ouais, je te voyais pas. Bon, bah la ville, c'est très bien. Ça y est, on sait contre qui on va jouer. Oui. Donc là, tu choisis ton point de spawn à 100%. Enfin, ça, voilà. Tu choisis ton point de spawn. Ok. J'ai failli en 12.
Allah Akbar. Voilà, donc il y a des petites billes, il y a tout ça, hein, voilà. On est content, moi généralement je fais un morpion. Je vais où Bah ça dépend, tu veux. Moi je suis parti en 12. Karma il est parti en. Rien là, je suis tout. Parti en rien, j'attends de voir. Et je valide comment, en bas à droite ou je non, clique dessus? Tu cliques sur le numéro et après en haut au milieu. Tu appuies sur prêt quoi. Ouais, d'accord. Si tu sélectionnes pas, ils vont t'envoyer à l'autre bout de la map. Voilà. Je suis avec toi là. Non, je suis pas avec toi. Ah si, j'ai fait 12, t'as dit 12. Mais non, mais tu peux pas spawner sur un endroit où j'ai spawné en fait. Ah, moi j'ai pris 12, donc toi tu dois prendre 6, 8 ou alors. Defenders of Rome. De toute façon, moi je vais en ville, j'ai trop fort. Là j'ai un problème de. Ah bah d'accord, ok. Faut que tu recules en fait à chaque fois, ta cam elle est avancée par rapport à. C'est celui-là ici. On va où, Karma? Bah va falloir suivre les archers là. Ils sont partis vers la forêt là. Tu retournes vers la base toi? Je sais pas, je te suis là. Ouais non ça se passe. J'ai laissé une unité en défense sur le drap pour avoir le point de vision, sinon les autres ils sont avec les archers là de l'autre côté. D'accord. Au pire si tu veux laisse tes épéistes ici avec moi et prends tes javelots et prends tes deux unités de javelots là. Comme ça, au moins, on sait qu'on aura deux trous pour la def, au cas où. À la Ragbar! Déjà, il y a des javelots en ville. Par contre, ouais. Là, tu peux pas monter super haut en vue, en fait. Là, j'aurais dû mettre Arena, peut-être, non, ouais. C'était mieux. Avec mes mecs. Et on peut pas choisir des formations Pas au départ. Pas au départ. Normal, t'es level 1. Après, tu pourras faire la tortue, enfin, tu veux. Après, ça dépend, ouais. Quand t'as les Romains, ouais. Move out. Bah, je suis juste César, je suis quand même Romain, moi. Ouais. Putain, y'a des javelots qui arrivent derrière nous. Qu'est-ce que je fais, je les attaque? Ouais, faut aller sur eux. Là, j'ai changé là. For honor and great glory. Elle m'attaque. Ah, vas-y. Hop. Defenders of Rome. Loose. Ce qu'ils se prennent. Le problème c'est que moi j'ai dit à mes unités de prêtes jusqu'à la mort. Cool. Du coup ils arrêtent pas de me rush. Ah merde, on m'attaque par derrière. Qui c'est qui m'a attaqué par derrière? Il y a peut-être des archers derrière. Essaye de dire à tes javelots de défoncer les épices qui sont sur la route à ta gauche. Attack for Rome.
Voilà, je suis mal, moi. Ah, t'inquiète, je suis pas bien. Ah, je crois que je tire un peu dessus. On me tire par derrière. Déplace tes troupes. For Rome. Le triomphe de Spire. Ah, c'est le temps de se mettre un peu dans le bain là. Dans la guerre. Bah, et puis y a beaucoup de T2. Hein. En fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre en T2. Là. Parce que j'avais pris le V1 pour être au même niveau que C2, mais. On se tape du T2, on joue en T2. Quoi. Donc là, je me fais fusiller par les deux. Quoi. Massacrer mes lanciers cette fois. Et ta troupe de. Tu peux pas me les envoyer là pour m'aider là? Parce que je suis en train de me faire des pop. Hein. Si tu vois que t'as plus du cul, tu dégages. Je suis en train de m'envoyer. Là, tu peux plus dégager, t'es en route. Parce que du coup, tes troupes elles sont perdues. Enfin, elles sont en train de frontière. Mais quand tu vois que ça pue. N'hésite pas à désengager le combat pour repartir dedans. Ouais. On va y aller dans le speed. Je vais essayer de sauver des troupes là qui sont. Ben, par exemple, t'as le mec là en archer. Hein. Ouais. Si, tu t'aurais désengagé, peut-être qu'il aurait pu tirer. Tu vois. T'as une place carrément. En fait, tu joues avec les joueurs, mais j'arrive au combat. Ah bah là c'est chaud, moi j'ai eu une unité quoi. Barre-toi, c'est pareil. Je cherche pas à fighter. Arrivez-vous si vous voulez. Ah bah moi c'est fini. Reste. Ah moi je leur ai dit de se battre jusqu'à la mort, je suis rentré dans le tas, c'est battre jusqu'à la mort. J'en ai une cinquième sur le cul maintenant. Au moins je tiendrai un minimum jusqu'à ce qu'il y ait des renforts potentiels. Bah j'arrive, j'étais à leur base, moi. J'ai rebaqué complètement. Ah ouais. Bon, ça y est, mais j'ai perdu mes troupes. C'était pas mal. Bon, malheureusement, moi je vais devoir laisser sur celle-là, je reviendrai plus tard. C'était sympa. Mais après, ouais, c'est de prendre des habitudes, de comprendre des mécanismes et tout. Déjà, ça va être le truc des réglages. Je pense que Arena c'est mieux. Parce que là, avec pour la caméra, c'était chelou. C'est chelou. Mais tu peux pas la monter en fait la caméra. Tu peux bouger au bas avec la molette de la souris en fait quand tu restes appuyé sur ton clic molette. Mm-hmm. Tu peux monter ou descendre la vue, mais pas verticalement en fait. C'est juste un point fixe.